بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وأدخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé cette sécurité dans cette île, dans cette belle île, celui qui nous a permis de pouvoir se déplacer sans aucune difficulté, sans aucune crainte, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la mort, celui qui nous donne la santé, celui qui nous donne la maladie, celui qui nous a permis, Wallah, par Allah, celui qui nous permet de connaître un bien-être matériel, un bien-être spirituel, et tout cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce jour béni de Eid, où Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa bénédiction immense, cette miséricorde immense, Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la couleur de la peau, quel que soit ton statut social, quelle que soit ta situation, lorsque ton cœur est prêt à accepter que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est mon créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pardonner. Quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton statut social, pauvre ou riche, que tu sois connu du monde ou que tu ne sois pas connu du monde, même si tu n'as aucune notoriété, même si tu es invisible dans la société, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il te connaît, tu as réussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il te connaît, tu as réussi. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais. Chacun a des erreurs. Chacun fait des erreurs. L'important, c'est de reconnaître que ce que je fais, ce n'est pas bien. C'est une erreur. C'est un péché que j'ai fait. Oh Allah, je te demande pardon. Allah, il est prêt à accepter. Allah, subhanahu wa ta'ala, jamais. Quelqu'un qui frappe à la porte d'Allah, jamais Allah, subhanahu wa ta'ala, va fermer et va laisser cette porte fermée. En aucun cas. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Allah subhanahu wa ta'ala, en ce jour de Eid, les anges, les malaïkas, ces créatures créées de lumière et qui sont 24 heures sur 24 dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains de ces anges quittent leur tâche. Certains de ces anges sont dépêchés uniquement pour féliciter les croyants, pour honorer les croyants de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, leur annoncer la bonne nouvelle du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. Ne jamais désespérer, jamais tomber dans l'excès. L'excès serait de prendre cette miséricorde sans prendre en considération son intérieur, sans prendre en considération ses faiblesses, sans prendre en considération ses erreurs. Avec mes erreurs, je fais l'effort pour atteindre la satisfaction d'Allah. Avec mes erreurs. Comptez sur la miséricorde d'Allah en se donnant comme objectif existentiel. Notre objectif de la vie, c'est « Oh Allah, j'ai été créé pour te satisfaire ». Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre un des moyens d'atteindre sa satisfaction. Un des moyens d'atteindre sa satisfaction, c'est à travers la revivification de l'acte de Ibrahim alayhi salatu wa salam à travers ce sacrifice. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que, oh,
être humain, celui qui est à la recherche du bonheur, celui qui est à la recherche de la tranquillité intérieure. On a les moyens du bonheur. Écoutons bien. On a les moyens du bonheur. On a les intermédiaires du bonheur. Mais ce n'est pas le bonheur. Un intermédiaire ne peut jamais être un objectif. Comme son nom l'indique, c'est un intermédiaire. L'objectif, Allah subhanahu wa ta'ala, cette satisfaction, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans les moyens qu'il nous donne à nous pour rechercher et pour connaître le vrai bonheur. Il nous a montré, ce n'est pas nous qui décidons où se trouve le bonheur. Le bonheur se trouve là où Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ce bonheur. Il nous a indiqué ce bonheur. Et ce bonheur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans sa soumission. Tout simplement, point barre. On n'a pas à chercher à droite ou à gauche, c'est dans sa soumission, tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, Ibrahim alayhi salatu wa salam, l'ami d'Allah. L'ami d'Allah. Imaginez un instant, chers frères en islam, le seul fils unique. On sait bien, lorsqu'on a un seul fils unique, et après on peut en avoir d'autres, mais le premier enfant, il jouit d'une considération qu'aucun autre enfant qui va venir après lui connaît. L'enfant unique, l'enfant qui vient en premier, les autres vont venir après, un an après, mais le premier enfant dans un couple jouit d'une considération exceptionnelle. Ce même fils unique, Ibrahim alayhi salatu wa salam, reçoit l'ordre, et on l'a dit, que le rêve de tout prophète alayhi salatu wa salam est une révélation. Il n'a pas douté. En demandant à Ismaïl alayhi salatu wa salam, que penses-tu de ce rêve? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, j'ai des doutes, est-ce toi, confirme-moi. Non. Il savait que c'est une révélation. Maintenant, il demande à son fils, parce qu'il a travaillé, il a fait cette éducation sur son fils, le fils unique qu'il a chéri tant. Il lui demande, et tu as prêt à accepter, je veux entendre de ta bouche, les commentateurs disent, je veux entendre de ta bouche le résultat de mon éducation envers toi. Et Ismaïl alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il dit? Fa'al ma tu'ma, fais ce qui est à ordonner. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Ibrahim alayhi salatu wasalam de sacrifier ce fils unique. Maintenant, à un âge très avancé, son épouse à un âge aussi très avancé, Ibrahim alayhi salatu wasalam, lorsqu'il reçoit cette révélation, Allahu Akbar, parce qu'il y a la satisfaction d'Allah derrière cette épreuve, Ibrahim alayhi salatu wasalam n'a pas rechigné. Ibrahim alayhi salatu wasalam n'a pas décliné cette révélation. En termes de désobéissance, na'udhu billah, il a accepté tout de suite. Il sait que dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours une issue favorable. Le monde dans lequel nous vivons nous donne comme principe que pour connaître le bonheur, il faut vivre dans l'apparence. Alors qu'à l'intérieur, on est malade. À l'intérieur, ça nous ronge. Que le reflet de notre vêtement soit le reflet de notre cœur. Cœur pur. Aucune rancune, aucune jalousie. Aucun mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que dans l'invisible, il y a la cohérence de ton visible. Il y a la gestion de ton visible. Apprends à connaître qui est l'invisible. Et dans la gestion du visible, ce sera facile. Parce que lorsque la verticalité est correcte, l'horizontalité devient pure, clean, fluide, cool. Ibrahim alayhi salatu wasalam, regardez, il sait que dans la soumission, il y a une issue favorable. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il voit que Ibrahim alayhi salatu wasalam a accepté cette soumission, Allahu Akbar, un bélier qui a brouté dans le paradis pendant 40 ans. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, un bélier blanc, cornu, qui a brouté pendant 40 ans. Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie pour Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et il l'égorge. Regardez, dans la soumission, le bonheur se trouve uniquement dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que dans le bonheur se trouve où? Fume un joint, mon gâté. Tu dissiperas toutes tes difficultés. Fume un petit joint. Allez, bois un petit coup. My friend. Let's have a party, man.
Let's get around. Ça, c'est une apparence trompeuse. On est en train de nous tuer. Et si on dit à ce jeune, fume pas mon gâté, tape. Qu'est-ce qu'il nous répond? T'as pas entré dans notre vie. Allahu Akbar. Celui qui te donne un conseil n'est pas meilleur que toi. Il veut le meilleur pour toi. Nuance. Lorsqu'on dit à son épouse, mon gâté, habille-toi bien, habille-toi correctement, couvre tes cheveux, ne laisse pas tes parties. Ce n'est pas dénigrer son épouse. C'est vouloir du bien pour son épouse qu'on a connu une vie ensemble pendant des années et des années. Quoi? Le jour de la résurrection, aimerions-nous que notre épouse soit d'un côté et nous d'un autre côté? Ou que cette épouse nous dit, pendant toute cette vie-là, tu as vécu avec moi, tu m'as jamais rien dit, il faut couvrir les cheveux. Tu m'as jamais parlé de din. Tu m'as donné en business, en carte, tu m'as donné ça, mais après. Nuance, chers frères, il faut que nous remettions les priorités à l'heure. Et en équilibre. Ce n'est pas que celui qui parle est meilleur que les autres. Jamais. Jamais. Allahu Akbar. Parce que nous voulions tous être ensemble dans le paradis. Jamais quelqu'un voudrait que son frère qu'il a connu pendant des années. On a vécu ensemble, on était voisins ensemble, on se partageait les gâteaux. Et un jour, on te donne un conseil et tu es fâché avec ton ami et tu ne parles plus avec la famille, tu ne parles plus avec personne. Allahu Akbar. Nous aimerions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et nous n'aimons pas que nous pardonnions les autres. Si Allah nous demande, nous pose cette question. Et un tel, Ishaq, aimerais-tu que je te pardonne aujourd'hui devant le monde entier? Depuis Adam alayhi salatu wa salam jusqu'à la dernière personne à quitter ce monde. Tu es prêt? Est-ce que tu veux que je te pardonne, Ishaq? Ya Allah, bien sûr. Mais pourquoi tu n'as pas pardonné à X, Y? Pourquoi tu t'es fâché avec lui? Parce qu'il t'a donné un conseil? Parce qu'il t'a dit une vérité, mais il t'a dit... Et d'une façon douce, fluide, il s'est jamais montré hautain envers toi. Il t'a dit, il t'a donné un bon conseil. Pourquoi tu t'es fâché? Pourquoi tu ne l'as jamais pardonné? Et tu voudrais qu'aujourd'hui je te pardonne? Allah ce matin nous en préserve de cette situation. Ibrahim alayhi salatu wasalam, il nous montre, lorsque on se plie aux ordres d'Allah, il y a la tranquillité qui s'installe. Et ce bélier qui a brouté dans le paradis pendant 40 ans, Ibrahim alayhi salatu wasalam, égorge. Et aujourd'hui, subhanallah, il y a toujours dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala une compensation meilleure de ce qu'on veut sacrifier. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à l'ordre de à la meilleure communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous, de commémorer cette tradition d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam, exceptionnelle. Et issue de cette progéniture pieuse, regardez, la compensation qui est meilleure que ce qu'on voulait sacrifier, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné à la communauté de Rasulullah pour perpétuer cette tradition. Et issue de cette communauté, le meilleur des prophètes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous donne une leçon. Inna kadhalika najzil muhsinin. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Celui qui écrase son ego, celui qui se dit, qui se fait petit, et celui qui va faire premier salam à son frère, Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Il s'est passé des choses, taqabbalallahu minna wa minkum. L'être humain, il est comme ça. Il s'est passé, salam marqué. Je fais le premier pas, mais je fais le premier pas. Je casse mon ego. Salamu alaykum wa rahmatullah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallah! Par ce simple geste, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner une personne directement le paradis. Directement le paradis. Parce que dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus les idoles. On ne dit pas qu'il y a des peuples qui adorent des idoles, c'est terminé. Mais il y a un autre idole qui est encore pire. Et qui continue d'être, c'est soi-même, l'ego. L'idolâtrie de soi-même. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je n'ai pas à faire salam à quiconque. Parce que moi, j'ai un statut. Moi, je suis monsieur X. Moi, je me suis... Non. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans la tombe, il n'y a pas de monsieur X. Dans la tombe, il n'y a personne. Il n'y a aucun statut qui vale. Rien. Fatima radiallahu anha. Parce que Ali radiallahu anha l'a enterré, l'a inhumé le soir. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la terre cette puissance de parole. Pourquoi? Parce que Ali radiallahu anha ou quelqu'un d'autre a dit, ô terre, tu sais qui tu accueilles aujourd'hui? La fille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La terre a répondu, ô un tel. Sache qu'ici, il n'y a pas de statut. Ici, il n'y a pas de généalogie. Je ne connais personne. Je ne connais que les œuvres, bonnes ou mauvaises.
Ça peut être n'importe qui, bonne ou mauvaise. C'est ça. Ici, c'est à travers ces bonnes ou mauvaises œuvres que je vais connaître le statut de la personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse comprendre les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Cette facilité de pouvoir l'adorer. Il n'y a aucune insécurité. On vit dans un Allahu Akbar. Certains de nos frères, à l'heure où on parle, dans tel ou tel pays, endroit du monde, Allahu Akbar, ils sont dans des difficultés et dans des tueries. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On ne peut pas imaginer. Allah nous a donné. Wallah, on le répète, cette sécurité. On doit montrer cette reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant, en l'acceptant, en faisant preuve de largesse, en faisant preuve de générosité, en ayant toujours un visage souriant. Lorsqu'on fait salam, assalamu alaikum, on a un visage souriant, c'est un sadaqa. C'est une aumône. C'est une aumône de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous fasse comprendre que la réalité de ce monde, la réalité de l'autre monde, est l'au-delà. L'étape de la résurrection, l'étape de la tombe avant tout cela, ce sont des étapes qui vont nous envelopper tôt ou tard. Et on doit être prêt pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, il nous a montré les moyens de trouver le succès dans ce monde et dans notre monde. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم للصحابة رضي الله عنهم أنتوا يجزي تقبل الله منا ومنكم كالله سبحانه وتعالى accept de nous et de vous les œuvres, les bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala accorde la sécurité à tous les musulmans dans le monde entier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse comprendre la réalité de notre être, la réalité de soi-même. Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu, un illustre compagnon de Rasoul Sami, il avait l'habitude de dire: wa inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi 'azima wa 'inda Allahi saghira. Wallah, je cherche protection auprès de toi d'être grand à mes yeux. I'm somebody, my friend. I'm someone. Wallah, je cherche protection auprès de toi d'être grand à mes yeux et d'être petit et que je ne vaux rien auprès de toi. C'est le contraire qui doit se passer. Que Wallah, que je, même si ici je ne connais, personne ne me connaît. Mais Abitchara, on connaît. Personne ne me connaît, mais Allah me connaît. On a réussi. Fajazakumullah khairan hasan al-jaza fi darain. Nous tous passons une bonne journée dans la joie, dans, en respectant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allons trouver la famille. Assalamu alaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mon frère, je t'aime pour Allah. Je t'aime pour Allah. Je dis bien, je t'aime pour Allah. Et, ok? Jazakumullah khairan hasan al-jaza. Alors, comment on va faire la salat Eid? C'est facile, ça passe tellement vite qu'on n'a même plus besoin de regarder nous pour comment on fait. Parce que ça passe tellement vite le temps que de temps perdu à gagner du temps. Enfin bref, alors, on fait l'intention. Oh Allah, je fais les deux rakat d'Eid avec ces six takbirs supplémentaires. Deux rakat, farz d'Eid, wajib d'Eid, avec ces six takbirs supplémentaires. Alors, c'est facile. Le premier takbir, le premier et le quatrième, on lève les mains et on les croise. Le premier, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Deux et trois, on lève et on laisse tomber. Et le quatrième, on recroise. Le premier et le quatrième, on lève et on croise. Le deuxième et le troisième, on lève, on ne croise pas. Ensuite, il y a Alhamdu Surah. On se lève. Ruku Sajda, on se lève. Deuxième rakat, Alhamdu Surah. Après, il y a trois takbirs. On lève les mains, on ne les croise pas. Le quatrième takbir, on va dans le ruku. C'est bon ? Le quatrième takbir, on va dans le ruku. Après, Inch'Allah, il y a la khutbah. Inch'Allah. Jazakumullah khairan hasan al-jaza fi ad-darain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. والله والله اكسبتنا يا الله يا الله اكسبتنا يا الله يا الله. Aide nos frères et nos sœurs dans le monde entier يا الله يا الله. Donne à ceux qui n'ont pas la nourriture يا الله la nourriture يا الله. Ceux qui n'ont pas la sécurité يا الله donne-leur la sécurité يا الله يا الله. Préserve leurs biens يا الله. Préserve leurs personnes يا الله. Préserve leurs familles يا الله. Préserve leurs enfants يا الله. Préserve toutes les personnes يا الله. Toutes les personnes du monde entier يا الله. Accorde-leur la sécurité يا الله. Préserve nos frères يا الله nos sœurs يا الله de l'injustice, ya Allah. Accorde-nous toujours les moyens, ya Allah, de faire preuve de ta reconnaissance, ya Allah. Ya Allah, guide-nous, ya Allah. Guide-nous, ya Allah, vers cette droiture, ya Allah, qui amène vers ta miséricorde et ta satisfaction, ya Allah. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وأمنا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه وأتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا معشر الإخوان توبوا إلى الله واستغفروا من كل عصيان. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذه اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان، ولا تجزي العجفاء ولا العرجاء وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يحضر مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنا. نحن أيضا نقول رضا
رضوان الله تعالى عليهم وعن كل الصحابة أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولك البراء ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك أبو توس. Passez une bonne journée. Take care. جزاكم الله خيرا. جزاكم.